Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Pokémon Let's Go Pikachu et c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois, c'est laissé ici exactement. C'est Pikachu, il est trop mimi, c'est pas incroyable. Mais bon, la dernière fois, vous rappelez, on a attrapé une tonne, mais vraiment une tonne de Pokémon parce qu'il y a des Pokémon rares partout, c'est fou. Je suis vraiment désolé, mais il faut que j'attrape ces Pokémon. J'ai pas envie de regretter mon choix de ne pas les attraper. Et en plus, ça entraîne mes Pokémon, donc... une pierre deux coups? Attendez. Roucoule, j'espère que j'ai pogné un X-Mall. Ah! Ah, ok, non, j'ai pas battu de record. Ok, c'est bon, d'accord. Lui, timing, ok. Il faut que je trouve... un Aspicot extra small, s'il vous plaît. Je suis en train de faire la collection des... les Pokémon les plus petits et les plus gros du monde entier, c'est pas croyable, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas obtenu de record ici non plus. Laissez-moi voir quelque chose. Si je vais dans... attendez, désolé. Le Pokédex. Wow, ça m'étonne. On va dans Aspicot, information. Alors, oui, regardez à droite. J'ai... un small, mais j'ai pas extra small. Je peux trouver un qui a extra large aussi. Ouais, je peux trouver un Aspicot extra large aussi. C'est pour ça que j'attrape toujours ces Pokémon rares. Parce que je veux obtenir le plus de trucs possible. Je veux compléter le jeu à 100%, disons. Mais bon, ok. Peut-être que je vais trouver un extra small. Parce que t'es plus petit que les autres. Je sais vraiment pas si t'es plus petit que les autres, mais on verra. Yo, depuis la dernière vidéo, je suis dans cette forêt. Il y a tellement de trucs à faire, c'est pas croyable. Poudre toxique! Ok, c'est bon. Oh! Voilà! Tout à l'heure, j'avais un small, mais maintenant, j'ai un extra small. Mais, vous savez, le small était à 0.20 mètres. 0.19 mètres, extra small. C'est juste 0.01 mètres, voyons donc, c'est 1 centimètre! Mais j'avoue, pour un Aspicot, ouais... c'est 5% de différence. À peu près. Oh, ok, non, ça va. Non, ok, vous savez quoi, c'est l'heure d'avancer. On va faire un petit combat. Hep, minute, on n'est pas pressé. Mais moi, je suis pressé. J'ai pas le temps de te battre. T'as juste des petits insectes. Regardez, qui s'assied? Come on, boys. Pika, pika. Ok, c'est bon. Bon, ben, vive attaque. On va en finir le plus rapidement possible. Mon Pikachu, il est trop fort, voyons donc. En plus, j'ai 6 Pokémon. J'ai pas un Pokémon, j'en ai 6. Il a osé me défier avec un petit Pokémon par rapport. Oula, j'abandonne, t'es trop fort. Non, c'est toi qui est trop faible. C'est bon. Donc, le bon chemin se retrouve là-bas. Alors, vous savez quoi? Il faut que je revienne en arrière un tout petit peu parce qu'il y a un endroit où ce qu'il faut que j'aille pour obtenir quelque chose d'intéressant. Je pense. Parce que ça, c'est le bon chemin. Je veux explorer tous les endroits et je veux rien manquer. C'est où exactement encore? Je suis un petit peu perdu pour être honnête avec vous. J'espère que je l'ai... Oh, ok, ça m'a fait peur, bro. Ok, oui, je suis pas passé par là. J'étais passé par là, ici, mais je suis pas allé par là. Voilà, je ne veux rien manquer. Oh, mais tu as un Pokémon partenaire avec toi. Vas-y, montre-le-moi de plus près. Side, le scout veut se battre. Pikachu! Pourquoi ils sont tous niveau 3? Vous entraînez pas vos Pokémon? Les scouts? Vous passez votre journée dans la forêt et je sais pas pourquoi le scout a un filet. Quoi? J'ai déjà perdu? Je sais que tu veux attraper des insectes avec ça, mais dans ce monde, tu lances des Pokémon pour attraper des insectes. Mon gars,
Et si je mettais mon aspicot sur ma tête? Je veux rien savoir de toi, frère. Vous trouvez un petit champi? Ok, à quoi sert le petit champi? Donc, un petit champignon à serra, il est plutôt populaire parmi certains fans dévoués. Ça ne me dit pas quel est l'effet de ce champignon, là, mais bon. Et je comprends pas pourquoi ce champignon ne se retrouve pas dans une section qui est déjà prédéfinie dans mon sac. Dans le sens que, vous savez, pourquoi c'est pas dans la section, disons, bonbonnière ou poche à renfort, je sais pas pourquoi c'est là. Y a pas de section pour vous? Comme les développeurs de ce jeu auraient dû créer une section qui s'appelle du n'importe quoi, et ils mettent des trucs comme les champignons, le parfum, etc. Non, le n'importe quoi. Oh! Time mini! Je pourrais pas te laisser partir. Slap! Ah, c'était presque parfait! Yes! Small! Je peux trouver un extra small alors! Ok, d'accord. Et je peux aussi trouver un extra large. Oh, ok, ok. Lui, c'est un gros bonhomme. Donc, il me semble que j'ai pas d'extra large de ce bonhomme-là. Excellente! Je suis vraiment désolé d'attraper des Pokémon à longueur de journée, mais on peut pas laisser ça passer, voyons donc! Wow, ok, alright. Come on. Oh! Tu es volé déjà? Ok, dites bonjour à l'abeille de la mort! Si vous faites piquer par cette abeille, c'est fini pour vous! Félicitations, cocon fort évolué en Dardagan. Dardagnan. Wow, ok, c'est... Ok, d'accord, c'est bon. Donc, j'ai pas obtenu de record personnel en ce qui concerne ça. Il se sert de ses trois aiguillons empoisonnés situés sur les pattes avant et l'abdomen pour attaquer sans relâche ses adversaires. Eya! Double dard. Ok. Ok! Thank you very much, mon petit Dardagnan. J'espère que tu vas pas piquer ton maître, c'est-à-dire moi. Parce que si tu le fais, je vais être triste. Oh, j'ai entendu... Ok, c'est lui qui faisait ça. Ok, non, Chenipan, Mini, je l'ai déjà. Vous savez quoi? En ce qui concerne les records personnels... Je vais aller chercher moi-même hors vidéo, c'est bon. Sortez la forêt de jade tout droit à Argentac. Parce que si j'attrape toujours des Pokémon rares de ce genre, on va jamais avancer. Et je viens de remarquer que des Pokémon de taille maxi ou de taille mini, on en retrouve beaucoup alors. Ouais, c'est ça. On va pas toujours en attraper. As-tu remarqué les arbustes sur la route? L'ATS tranchage permet de les couper. Merci. Plus un Pokémon possède de PC, plus il est fort en combat. Il paraît que plusieurs paramètres entrent en compte pour calculer cette valeur. D'accord. On s'en va d'ici. Je veux toujours fouiller les poubelles, au cas où, on sait jamais. Mais bon. On est enfin sorti de la forêt, on est dans la route 2. Y a-t-il un Pokémon que je n'ai jamais capturé? Non. Salut toi. Rattata est en super forme. Okay, je peux pas passer par là. Alright. J'essaie de chercher des passages secrets là, mais bon. Donc, nous sommes à Argenta. Ah, cool, je te cherchais. Il y a une arène Pokémon ici, on peut y affronter son champion qui est super fort. Les champions d'arène sont impressionnants, mais si on veut progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les affronter. Je suis sûr que ton petit Pikachu brûle d'en découdre lui aussi. D'ailleurs, pendant que je pense, j'ai des trucs pour toi. Ce rival est tellement gentil comparé aux autres rivaux, man. Des autres jeux vidéo de Pokémon. Nous, vous donne 5 potions. Vous mettez des potions dans votre soin.
J'ai fait des stocks grâce à l'argent que j'ai gagné en combattant. Du coup, je t'ai pris un petit quelque chose. Bonne chance, si tu arrives à gagner contre un champion d'arène, c'est le signe que tu commences à devenir un dresseur vrai. Il utilise l'argent qu'il a taxé des gens pour faire ça, voyons donc. Alors, commençons à aller ici. Il est important de ne pas dilapider ses économies. Cela étant, ça peut être intéressant d'acheter plein de Pokémon d'un coup. Tu devrais essayer. Un jour. J'apprends à dresser mon Nidoran. Nido assis. Attendez, est-ce qu'il... Nidoni. Notre Pokémon vient d'ailleurs, nous l'avons eu en faisant un échange avec un autre dresseur. Il monte vite de niveau, mais il est difficile à maîtriser. Il n'en fait qu'à sa tête en combat. Si seulement nous avions des badges. Ouais, les badges, ça arrange tous les problèmes. Vive les matérialistes! Il n'y a pas vraiment de dresseur sérieux par ici, il s'intéresse presque tous aux Pokémon insectes, bref, rien de passionnant. Pierre, par contre, il n'est pas comme ça, lui pas du tout, il est du coin, tu sais? Pierre! Ah, c'est Brock! Ok, oui, si je me rappelle bien, Pierre, c'est Brock! Brock, c'est le nom de Pierre en français, en anglais, pardon. Est-ce que la fille qui accompagne... comment vous l'appelez-vous? Sacha? En anglais, c'est Ash. Comme le héros s'appelle Ash, je le connais en tant que Ash, mais pour vous, c'est Sacha, je pense. Venez goûter la spécialité d'Avil, les crocs argentales 500 piles sachets. La demande étant très forte, nous n'en vendons qu'un par personne et par jour. Intéressé? Je crois qu'il est en train de me scammer, mais on va le faire. Merci infiniment. Attention, c'est très, très dur. N'allez pas vous casser les dents. Vous recevez un sachet de croque argenta. Ok, thank you. C'est pour ça que je parle aux gens, on sait jamais ce qu'on peut manquer. Je suis en train d'échanger mon Mélopée contre un Pikachu. Et tu fais un bon deal. Ah, toi, tu te fais crosser, mon gars. Vous avez deux Nintendo Switch? Damn, son. Je fais un échange avec la fille à côté de moi, j'ai deux Pikachu, donc je peux lui en passer un. Ah. Ok, non, en fait, t'es smart. T'es très, très smart. Donc, donnez-moi une petite seconde, on va aller dans le sac. Et... c'était où encore? Trousse de soins? Ok. Une spécialité d'Argenta soigne toutes les altérations du statut d'un Pokémon! Ok, thank you very much! Ouais, je me demande si la fille s'appelle Misty en français. On va voir. Quoi? La Team Rocket qui est au Mont Sélénite? Miséricorde! Attends, que me veux-tu, toi? Ne vois-tu pas que je suis au téléphone? Et oui, voilà, c'est ça, je suis au téléphone. Allez, décarpille maintenant! Si tu voulais pas que je te parle, t'aurais dû juste me dire « Va-t'en, voyons donc !» Arrête de chercher des excuses. Pierre, le champion de l'arène d'Argenta, utilise des Pokémon de type roche qui sont particulièrement vulnérables aux capacités de type plante et eau. Et ouais, c'est qu'il faut penser aux affinités de type si on espère battre un champion. Problème! Mon Pokémon le plus fort, c'est Pikachu. Mais au moins, j'ai l'attaque double pied. Très efficace contre les Pokémon roche. What up? Attends, sais-tu ce que je fais là? Oui, ah bon, d'accord. Psst, sais-tu ce que je fais là? Non, je vaporise du parfum sur mes fleurs pour attirer les Pokémon sauvages. Oh, ma belle. Psst, hey, c'est ce que je fais? Oui, ah bon, ok. Attends. Non, je vaporise du repousse pour éloigner le... Un bonhomme veut attirer les Pokémon, l'autre bonhomme veut les repousser. Ça se voit qu'ils se communiquent pas entre eux. Oh boy. Donc, t'as déjà visité le musée? Non. Non, mais il faut y aller, voyons. Ok, ce sera pour plus tard. Avi, on nous signale des voleurs de fossiles de Pokémon au Mont Sélénite. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter la police d'Argenta. Dis, t'es dresseur, tu tombes bien. Pierre cherche un adversaire, suis-moi. J'ai même pas terminé de... On s'est téléporté! Si tu t'en sens capable, tu devrais essayer de te mesurer à lui. Allez, salut! Ce que je voulais faire, c'est explorer la ville. Mais on dirait que ça va attendre plus tard. On va aller chercher notre badge. Wow! Salut, tu es venu défier le champion, c'est ça? Je ne suis pas dresseur, mais je peux voir d'un seul coup d'œil si quelqu'un est digne de se mesurer à Pierre. Écoute-moi bien, car je ne vais pas y aller par quatre chemins.
Ici à la Reine d'Argentan, on n'a pas de pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités de type. Crois-moi, c'est pour leur bien. Plusieurs types ont l'avantage face aux types roches, mais on demande aux débutants de commencer par utiliser les Pokémon de type plante ou eau. Donc si tu veux affronter les champions, tu dois d'abord me montrer un Pokémon plante ou eau. Parfait, avec un Pokémon comme celui-ci, tu as toutes les choses avec Pierre. Vas-y, champion d'herbe. Ils veulent que j'envoie un Mystère contre un Onix. Vous êtes pas sérieux. Tu t'apprêtes à affronter ton premier champion d'arène? Non, tu veux un conseil? Ah non, Sky. Vous savez, attendez, blablabla. Pourquoi y a-t-il des spectateurs ici? Y a personne qui essaie d'affronter Pierre. Mais regardez ça, attendez. Y a des spectateurs. Vous restez là à rien faire toute la journée. Vous restez là à regarder des roches. What? C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. Bienvenue à la Reine d'Argentin, je te préviens, on n'a rien à voir avec les dresseurs que tu as affrontés jusqu'ici. Ok, les Pokémon des dresseurs que j'ai affrontés étaient de niveau 3. Amara, la fan de pique-nique, veut se battre. Si tu m'envoies un Pokémon de niveau 3, je vais te taper dans les fesses. Vas-y, Pikachu! Donc, son nom en anglais c'est Geodude. En français c'est Racaillou, ok. Racaillou, c'est pas Geodude. Double pied. Bye bye, c'est fini pour toi, mon frère. J'avoue que tu es un petit peu plus puissant que les autres bonhommes que j'ai affrontés dans le passé. Merci beaucoup, Racaillou, de me donner 42 points d'expérience. Tu n'as rien à voir avec les dresseurs que j'ai affrontés jusqu'ici. J'étais taxé de 140$. C'est ta première arène? Eh ben, chapeau! Une minute, tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. Ok, d'accord, c'est bon. Elvin, le fan de camping, va se battre. Elvin, le fan de camping, va un racaillou. Qu'est-ce que vous avez avec les cailloux qu'on peut retrouver partout, voyons donc. Attaque. Double pied. Mon Pikachu n'a pas peur. Ouh. Sans mes pieds, mon ami! C'est super efficace! Toucher deux fois le racaillou ennemi et KO, on a gagné 42 points d'expérience. Merci beaucoup! Zut, j'aurais dû te laisser passer! Je crois que Pierre t'aurait renvoyé si tu avais fait ça. Tu sais te battre, mais pas aussi bien que Pierre. Je vais battre ton maître tout de suite, tu vas voir ça! Waouh! Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont du type roche. Tu veux toujours m'affronter, même en sachant que tu vas perdre. Et très bien, en garde! J'ai toujours cru que Pierre était un chinois, parce qu'il a toujours les yeux bridés, comme les yeux fermés. Pierre le champion, vieux se battre. Pierre le champion, on voit un racaillou, niveau 10 sûrement. Non, niveau 9. Ah, 11! Oh mon dieu, t'es plus fort que ce que je pensais! Pour l'instant, je garde toujours Pikachu parce que c'est efficace. Pas besoin de faire des changements. Pourquoi envoyer un petit Mystère? Non. Le racaillou ennemi utilise charge. Je vais te montrer quelque chose. Oh, que vas-tu faire comme ça? J'avoue que normalement, j'utiliserais pas cette attaque-là, mais bon, en tout cas. Alors, prépare-toi. Onix arrive! Voulez-vous changer de Pokémon? Bon, ok, vous savez quoi? Juste pour le bien de l'humanité, on va utiliser Mystère. Voyons voir si tu peux te mesurer au petit bonhomme qui s'appelle Onix! Je me sens vraiment mal de l'envoyer ici. Tu l'as one shot, frère! What? Je sais que les Pokémon plantes sont bons contre les Pokémon roches, mais c'est juste un Mystère!
une petite herbe contre une grosse roche. Est-ce que vous êtes sérieux? Passeport. Et si j'enlevais acide? Lanceur attaque l'ennemi avec un jet d'acide causé peut pas aussi baisser sa défense spéciale. Poudre toxique. Une poudre toxique empoisonne l'ennemi. Croissance. Le corps du lanceur se développe, augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Je crois que je vais enlever poudre toxique. Ouais. Le truc, c'est qu'il me semble que ça, c'est pour paralyser l'ennemi, non? Le lanceur répand sur l'ennemi une poudre qui le paralyse. Ouais, c'est ça. Ok. Je savais pas que j'allais le one-shotter. Ouh! Vous avez battu Pierre le champion. Bon combat, j'étais trop sûr de moi, c'est pour ça que j'ai perdu. Pour le remporte 1920p. Oh, on joue en HD 1080p. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge Roche. Yeah! Vous avez vu ça? Vous obtenez le badge Roche. Grâce au badge Roche, tu pourras te faire oublier des Pokémon échangés jusqu'au niveau 20. Ah, tiens, prends ça aussi. Hein? Merci pour ce CT coup de boule que je vais jamais utiliser. D'habitude, j'utilise jamais les CT que je reçois. Les CT sont des capsules techniques que tu peux les utiliser pour enseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un Pokémon. En plus, c'est inusable, donc tu peux les utiliser sur autant de Pokémon que tu le veux. Celle-ci contient coup de boule. Elle permet aux Pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leurs adversaires. Ok, non, vous savez quoi? On va utiliser coup de boule. En fait, CT, on les utilise. Non, il y a certains trucs que j'utilise pas. Les trucs, je me rappelle dans les autres jeux Pokémon, je sais pas si c'est CT ou c'est quelque chose, mais en tout cas, il y a une sorte de technique qu'on peut apprendre aux Pokémon, mais après les avoir appris ça une fois, le truc disparaît, mais ceci reste là. Donc, ces trucs, je les utilise, oui, mais pas les trucs où on peut seulement les utiliser une fois. Donc, pourquoi est-ce que je donne coup de boule à ce gars-là? Non, moi je devrais pas donner coup de boule à ce gars-là. Mais je vais le faire, je pense. Attends, double pied. Peut-être enlever vive attaque. Non, 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 ça c'est bon pour attaquer les Pokémon qui sont presque dead. Et... lorsque j'attaque en deuxième. Je crois que je vais enlever ça. Ouais. Ouais, on va enlever ça. Let's go. Ok. Coup de boule a été appris. No problema, amigo! Donc, qu'as-tu à dire pour ta défense? Le monde est vaste et rempli de personnes qui ont toutes des aspirations différentes. Certaines se passionnent pour les combats, tandis que d'autres se tournent vers l'éducation de Pokémon. Moi, par exemple, je m'entraîne à fond pour devenir éleveur Pokémon. Mais toi, tu m'as tout l'air d'avoir les qualités requises pour devenir un dresseur de sélection. Je te conseille d'aller dans d'autres arènes pour y tester tes compétences. Alors, tiens à dire, tu sais te battre, mais pas aussi bien que Pierre. Regardez en bas à gauche. Pikachu fait de quoi? Je crois qu'il veut que je joue avec lui. Pikachu! Pikachu ne se tient plus de fierté et de joie après cette belle victoire. Pikachu! Tu mérites tellement que je te fasse ça. Ah oui, 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 oui. Attendez, ta queue aussi? Tes oreilles? Est-ce que t'aimes ça? Non? Ah, tu veux un high five? Ah ouais, high five! Voilà, et tu mérites de manger aussi. Donne-moi une seconde. Je vais te donner. Ceci. Voilà. Ne dis pas aux Pokémon que je te donne à bouffer. C'est bon? Voilà, parfait. Oh, des gentils petits bébés. Et voilà. Donc, salut! Je le savais, tiens, l'âme d'un champion. Ce mec-là, il adore m'encourager. Et c'est pour ça que je l'adore aussi. C'est un bon mec. C'est vraiment un bon mec. Et toi là! Gary? Tu serais pas Polo par hasard? Oui, c'est bien moi. Comment tu connais mon nom? Je peux pas dire non. Ah, je le savais, je suis vraiment trop bon. Bref, moi, c'est Blue. Ah, ok, ok, c'est vrai, il s'appelle Blue. Pépé m'a raconté que deux gamins de Bourg-Palette étaient partis à l'aventure, donc je suis venu voir comment tu t'en sortais. Je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur de déception. Faut le dire. Mais en fait, c'est bon, t'as l'air de te débrouiller. Du coup, tiens, c'est bien mérité. Oh, 5 super balles, je vais jamais les utiliser. Vous mettez super balles dans la page de capture. C'est plus facile d'attraper des Pokémon avec, pas comme la plèbe là qui galère avec des Pokéballs miteuses.
Tiens, t'as un Pokédex, Pépé a fini de le mettre au point, alors cool! Laisse tomber, à mon époque, on devait se coltiner une vieille carte et tout noter à la main. Je raconte pas l'angoisse. Ah! T'as intérêt à serrer Polo pour aider Pépé. Allez, ciao! Alors, ça veut dire que Red est dans ce jeu aussi? C'est quand même intéressant, oui! Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!